Dans un contexte où des rumeurs malveillantes circulent sur la santé du président de la République, le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondo Ayolo, apporte des clarifications rassurantes. Le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, continue d'exercer ses fonctions avec diligence, soutenu par son gouvernement. Dans un communiqué de presse publié récemment, le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondo Ayolo, a tenu à rassurer l'ensemble des Camerounais ainsi que la communauté internationale concernant l'état de santé du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya. Ces dernières semaines, certaines personnes mal intentionnées ont tenté de diffuser des informations alarmantes, insinuant que le président serait gravement malade ou même décédé. Le cabinet civil de la présidence a formellement démenti ces allégations infondées, affirmant que le président Biya se trouve en excellente santé et poursuit activement ses responsabilités depuis Genève, où il n'a pas quitté depuis son retour de Beijing. Cette situation témoigne non seulement de sa résilience, mais également de la solidité du gouvernement qui l'a constitué. Il est essentiel de rappeler que le président Biya dispose d'une équipe gouvernementale dévouée qui œuvre sous sa direction. Parmi eux, le ministre des Relations extérieures, Mbilambila, a récemment représenté le chef de l'État lors du 19e sommet de la francophonie après avoir participé à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. De plus, les 7 et 8 octobre dernier, le premier ministre Joseph John Goute a pris part à la conférence de Hambourg sur le développement durable et a également assisté à la finale de la Coupe du Cameroun au stade Omnisports à Madouaïdjo. Ces engagements illustrent l'implication active du gouvernement dans les affaires diplomatiques et nationales. Le cabinet civil condamne fermement les comportements abusifs qui exploitent la liberté d'expression pour semer le trouble au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Il est primordial que chacun puisse exercer son droit à l'information sans compromettre la vérité ni ternir l'image des institutions respectées. Le chef de l'État, Paul Biya, continue d'exercer ses fonctions sereinement partout où il se trouve grâce à une équipe compétente qui lui rend compte en temps réel des événements majeurs. La politique qu'il a mise en place garantit non seulement sa capacité à vaquer à ses occupations, mais aussi celle de son gouvernement à agir efficacement pour le bien-être des Camerounais.